Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie de Jérémy Exior. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sébastien, comment tu vas ? Bah écoute, moi je vais très bien, j'espère que toi aussi. Salut, super. Bon, donc aujourd'hui, je me situe en compagnie de Jérémy Exior. On va parler un petit peu de son parcours, de ce qu'il fait, etc. Parce que je trouve ça très intéressant. Et bien entendu, tu l'as compris, c'est en relation avec l'immobilier, hein, puisque c'était sur cette chaîne YouTube. Bien évidemment, tu es intéressé par l'immobilier. Comme tu le sais, juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker cette vidéo. Je vais t'inviter aussi eh bien, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton dans la partie tout en bas de la vidéo, un petit bouton s'abonner. T'actives la petite clochette et ensuite tu seras notifié les prochaines fois. Je vais te livrer des vidéos cette chaîne YouTube sur la sous-location professionnelle, la conciergerie d'appartement, mais également aussi l'investissement locatif. Et justement, c'est un bon tremplin pour eh bien, présenter donc, Jérémy qui va nous expliquer ce qu'il fait. Donc Jérémy Exior. Qui va nous expliquer eh bien, effectivement ce qu'il met en place et comment il accompagne les investisseurs qui souhaitent se lancer dans l'immobilier. Donc bah, Jérémy, je te passe le micro, je te laisse un petit peu te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui. Génial, merci Sébastien, merci en tout cas de cette invitation, je suis très content d'être là parmi vous. Alors qui je suis ? Donc moi je suis Jérémy Exior, donc j'habite en Île-de-France et je suis investisseur immobilier. Donc depuis plus de 8 ans, je me constitue un patrimoine immobilier de plus de 13 lots et un patrimoine évalué à 1,2 million. Et suite à cela, j'ai décidé de pouvoir accompagner toutes les personnes qui désirent avoir un bien locatif à haut rendement, totalement passif et clé en main. Donc j'ai développé maintenant ma société d'investissement locatif clé en main pour toute personne qui habite en France. D'accord, donc du coup, toi, un patrimoine d'1,2 million, c'est ça, hein ? Yes. D'accord, donc, et du coup, tu t'es dit, bah, finalement, fort de mon expérience, est-ce que je pourrais pas la mettre à disposition voilà, donc, les profils des personnes que tu accompagnes, c'est des nouveaux entrants dans l'investissement locatif, c'est des gens qui sont un peu confirmés, que c'est qui finalement ? Okay. C'est les deux profils de personnes, que ce soit des personnes qui veulent démarrer dans l'immobilier, qui veulent être sûrs de faire un très bon investissement, et aussi des gens un peu confirmés mais qui veulent plus s'occuper de tout. Et comme j'aime bien dire, moi je m'occupe de tout et vous occupez de rien. D'accord, donc du coup ces nouvelles personnes donc arrivent, alors concrètement toi est-ce que tu garantis quelque chose déjà premièrement, si oui bah quoi exactement, et après la deuxième question ça serait, en deuxième partie ça serait eh bien comment tu les accompagnes justement, comment ça se passe concrètement. Super. Alors, moi, l'objectif, c'est de pouvoir vous trouver un investissement locatif qui génère 8% net par an avant impôt. D'accord. De la recherche du bien jusqu'à la mise en gestion, je m'occupe et je gère tout pour vous. Comment cela se passe ? Juste pour vous expliquer un peu le processus. Donc, dès qu'une personne désire travailler avec nous, ben, on étudie bien évidemment son dossier, c'est-à-dire sa capacité d'emprunt, s'il est solvable. Ensuite, en fonction de son objectif, parce que des gens qui viennent me voir, ils viennent pour différents types d'objectifs. Constituer un patrimoine, avoir des revenus passifs, devenir rentier. Enfin, tout le monde a des objectifs à tout à chacun. Et taillé sur mesure, on établit votre profil et on va vous trouver un bien taillé à votre situation, à votre besoin, selon pour vous. Ensuite, une fois que ça c'est fait, nous avons deux zones de chalandise bien précises et bien particulières. C'est-à-dire dans la région Île-de-France et dans la région de Nîmes, Aix-en-Provence et Marseille. Tu vas me dire, Sébastien, pourquoi ces régions-là ? Pourquoi ici ? Eh ben, c'est une des deuxièmes garanties. Je fais investir à mes clients où moi-même j'ai investi. D'accord. C'est là où moi-même j'ai mis mes billes et bien évidemment où j'ai constitué tout un réseau pour pouvoir être efficace, efficient, pour avoir un investissement sécurisé et totalement passif. D'accord, ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on commence à se mettre en recherche pour le bien avec le cahier des charges qu'on a établi avec le client. On vous suit pour votre financement, c'est-à-dire on va établir un dossier de financement pour vraiment créer un effet waouh au niveau du banquier où il va avoir tout l'intérêt et la rentabilité du bien. S'il y a des travaux ou s'il y a des choses, on fait la suivi des travaux, c'est-à-dire c'est
directement nos artisans, nos conducteurs de travaux qui vont venir pour pouvoir faire l'optimisation de votre bien et de le mettre au goût du jour. Et de surcroît, il va prendre de la valeur. Et après, on aime bien faire un côté waouh parce que vraiment, on est vraiment spécialisé dans la colocation. C'est vraiment quelque chose sur lequel on fait beaucoup d'investissements concernant la colocation dans des villes étudiantes. D'accord. Ma décoratrice intérieure se met à votre service pour créer l'effet waouh et tout est mis en place, la décoration, comment ça va être meublé afin de pouvoir attirer un bon client et un bon locataire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour terminer, aussi, on étudie aussi la fiscalité du client. Parce que la rentabilité, elle ne se fait pas juste qu'à l'achat, c'est une composition de plusieurs choses. D'accord. Que ce soit le choix du bien, comment on va l'utiliser, la fiscalité qu'on va avoir, le type de prêt qu'on va avoir auprès de la banque. Et là, vous avez rendez-vous avec mon avocat fiscaliste qui va étudier votre fiscalité afin que vous puissiez payer zéro impôt, oui, c'est toujours possible, ou très peu d'impôts possibles. Et pour terminer, comme on veut que ce soit 100% passif, ce qu'on recommande et qu'on conseille à nos clients, c'est de mettre leurs biens en gestion. D'accord. Donc, tu vois, c'est un très gros package multiservice où tout peut être géré à distance par système de procuration et on gère tout pour nos clients de A à Z. Ah oui, alors justement, j'en arrive un petit peu aussi à cette question-là, parce que justement, par des systèmes de procuration, donc j'imagine aussi que ta clientèle, finalement ceux à qui tu t'adresses aussi, ça peut être aussi des expatriés, hein, j'imagine, qui souhaitent investir en France et qui tout simplement veulent une solution clé en main, comme tu disais, hein, donc qui démarre depuis la phase de recherche jusqu'à la phase de gestion. Donc la phase de gestion, donc tu vas jusqu'à rechercher aussi les locataires à mettre dans le logement, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Donc pour répondre à ces deux questions, premièrement, oui, on gère aussi les expatriés parce que au sein de l'offre solution clé en main, nous avons notre agence de courtage qui se sont spécialisés avec les expatriés. Donc, on travaille avec différents profils de banques, banques publiques, banques privées, banques d'investisseurs et banques d'expatriés. Donc, on pense à vous aussi, les expatriés, avec un plaisir de pouvoir aussi vous aider. Et à la fin, c'est nous qui cherchons les locataires, c'est nous qui mettons en place les étudiants pour que ça soit vraiment le plus passif possible pour nos clients jusqu'à la mise en gestion. Ok, super. C'est très intéressant. Pour ceux qui veulent vraiment effectivement avoir une solution clé en main, t'as rien à faire. C'est vrai que tu te laisses complètement driver. Et alors, ça dure combien de temps entre le moment où t'es décidé il s'écoule combien de temps avant d'avoir ton premier bien, enfin en moyenne, parce que j'imagine que ça va être un petit peu variable en fonction de pas mal de critères, mais grosso modo, il faut compter combien de temps? On est sur un accompagnement de 1 an. D'accord. Voilà, 1 an en général. Les projets se font au bout d'un moment de 9-10 mois. Mais on part sur une base de au moins 1 an. On est dans une situation tellement spéciale ces 2 dernières années. Oui. Donc, c'est pour prévoir les aléas. Mais en 9-10 mois, généralement, le projet est totalement conclu. Et on est vraiment là pour aider toute personne, cadre, chef d'entreprise, expatrié, sportif, pour pouvoir les aider dans leur à se constituer un patrimoine pour vous, pour votre retraite, pour vos enfants et en toute passivité. Ok, super. C'est très intéressant, effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu as un tips ou un petit truc qui ferait que les gens voudraient, les personnes qui regardent cette vidéo souhaiteraient tout simplement passer par toi pour leur achat d'appartement? Est-ce que, je sais pas, il y a un truc qui ferait la différence et qui ferait qu'on choisirait plus toi que quelqu'un d'autre? Vraiment, c'est vraiment mon expertise de par mes 10 années d'investissement. Et aussi une chose que je remarque très souvent quand on commence dans l'immobilier, le premier investissement est le plus important. Donc, c'est très important de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un d'expert dans son domaine pour pouvoir nous suivre, surtout pour le premier investissement pour pouvoir enchaîner derrière, afin que vous puissiez avoir une carrière d'investisseur. Et ça, c'est vraiment notre cœur de maîtrise, de vous lancer dans les bonnes rails, dans les bonnes voies de votre carrière et de votre chemin d'investisseur en immobilier. Et ça, c'est vraiment le cœur d'Exior. On accompagne souvent les gens pour se constituer un patrimoine sur le long terme.
Ok, super. Bah, c'était une vidéo très intéressante, je pense. Et d'ailleurs, c'est le moment de commenter cette vidéo, de laisser votre commentaire, poser vos questions aussi. Et puis, je ferai suivre effectivement les questions à Jérémy, il pourra vous répondre. C'est le moment aussi de liker cette vidéo. Et puis, je pense qu'aussi, c'est le moment peut-être où on va lâcher le lien ou comment tout simplement te contacter. Donc, on mettra ça dans la partie description. On te retrouve sur ton site internet, j'imagine. Exactement. Donc, comme l'a très bien dit Sébastien, en dessous de la vidéo, il y aura un lien. Si vous désirez prendre rendez-vous, en savoir plus et voir comment on pourra vous aider, vous accompagner avec nos solutions clés en main. Et il y aura aussi le site où vous pourrez voir en détail encore une fois tout ce que je viens de vous expliquer. Et un plaisir vraiment de pouvoir vous aider, vous accompagner dans vos projets immobiliers. Bon, super. Merci beaucoup, Jérémy, d'être venu sur la chaîne. Et puis, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci encore, Jérémy. À très bientôt et à très bientôt, tout simplement. Ciao, ciao. Ciao.